Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle session extraterrestre du dimanche 22 septembre 2024. Il est 17h03 et j'ouvre la 38e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. C'est à chaque fois un véritable plaisir de vous retrouver pour vous présenter ces différentes lignées extraterrestres et vous faire passer toutes les connaissances qui m'ont été transmises par mes contacts extraterrestres depuis le début de l'année 2016. Les présentations sur les lignées extraterrestres sont le fruit du travail que Zen et moi avons fait ensemble pendant des mois et de nombreuses heures chaque jour depuis le début de l'année 2017. Un an après mes premiers contacts directs en 2016. Toutes les informations que je vous présente sont donc exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation grâce à des technologies de communication que j'ai enregistrées quasiment depuis le début. Et évidemment, c'était d'accord avec Zen pour que je le fasse. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023, trait d'union 115, et trouver d'autres informations dans mon livre « Premier contact ». Pour être certaine de ne rien oublier et de ne pas me tromper, j'ai constitué un tableur qui est composé d'environ 2500 entrées. C'était un travail de titan, inutile de vous le dire, mais je suis contente de l'avoir fait puisqu'il me permet maintenant de vous faire passer ces informations, non grâce à ma mémoire, qui pourrait devenir défaillante au fil du temps, mais de manière concrète, dans des conversations que nous avons décidé de faire par écrit pour en conserver une trace et pour pouvoir les enregistrer. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Lyriens. Ils occupent le siège au sein de la Fédération Galactique en compagnie des Andromédiens, siège 1, les Arcturiens d'Yazli Antiplex, de la race des Marsupiens, siège 2, les Pléiadiens de Tejet, siège 3 et 4, les Alphratiens du Centaure, siège 5, les Syriens, siège 6, les Vénusiens, siège 7, les Agartiens de l'Intraterre, siège 8, les Urmas de la race féline, siège 9, et les Étortants, siège 12, que nous verrons dimanche prochain. Donc les Lyriens occupent le siège numéro 11. Les Lyriens font partie des humanoïdes célestes dont nous faisons partie aussi en tant que terriens ou terriennes, puisque nous sommes les descendants des Lyriens. Ils sont originaires de la constellation de la Lyre, du soleil Vega et des systèmes stellaires Avalon, aussi nommé Avion, A-V-Y-O-N. Souvenez-vous que dimanche dernier, je vous avais parlé de Rour de Avion. Donc, cette planète est occupée aussi par les Lyriens humanoïdes et les Lyriens félins. Et ils occupent aussi Alpha Lyra. L'humanité n'est pas la seule espèce intelligente de cette galaxie ayant forme humaine et nous ne sommes pas non plus la seule civilisation humanoïde. La plupart de ces races ont visité la Terre. Certaines d'entre elles le font encore et ont même des bases sur Terre. Certaines races humanoïdes extraterrestres ont également joué un rôle important dans l'histoire de la Terre et de l'humanité terrestre. En fait, l'humanité n'est même pas née ici sur Terre. Nous sommes les descendants de ces autres lignées extraterrestres ressemblant à des humains comme nous, qui ont visité la Terre il y a des millions d'années. Si nous voulons comprendre notre histoire et notre nature en tant qu'espèce, nous devons remonter dans le temps, il y a des millions d'années, au moment où l'humanité est née sur Terre. Les civilisations humanoïdes les plus importantes se trouvent dans les systèmes stellaires de Lyra, Vega, Sirius, Orion, les Pléiades, Andromède. Lyra est l'endroit où se situait autrefois le berceau des races humanoïdes. La plupart des races sur Terre et dans l'espace sont des descendants des groupes Lyra-Vega.
Pour comprendre notre histoire, nous devons comprendre leur histoire. Il faut comprendre pourquoi ils se sont aventurés dans l'espace, pourquoi ils sont arrivés sur Terre et où ils ont commencé à implanter des colonies sur d'autres planètes. Il est important de savoir comment ils ont rencontré d'autres civilisations, comment des conflits ont éclaté avec ces civilisations et comment cela a conduit à des migrations interstellaires massives et à des guerres sans fin. Certaines guerres qui ont lieu actuellement sur Terre sont les conséquences et presque la copie conforme de guerres extraterrestres. Voyons maintenant l'histoire ancienne des Lyriens, c'est-à-dire nos origines également. La plupart des données, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres, s'accordent à dire qu'il y a 40 millions d'années, dans notre cadran de la galaxie, le berceau de l'humanité se trouvait dans la constellation de la Lyre. Au fil du temps, certaines espèces humanoïdes ont évolué. La majorité étaient des Lyriens de type caucasien, qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, même s'ils sont quelquefois beaucoup plus grands et s'ils vivent beaucoup plus longtemps. Il y a environ 22 millions d'années, les alpha lyriens étaient capables de voyager vers d'autres étoiles, comme le font de nombreuses lignées extraterrestres, et dès qu'ils ont commencé à explorer d'autres systèmes dans leur voisinage galactique, ils ont également commencé à coloniser les planètes voisines. Bien sûr, ce sera le cas pour nous aussi, et il ne leur a pas fallu longtemps avant qu'ils ne rencontrent d'autres races humanoïdes. La première race de ce type qu'ils ont rencontrée était autour de Vega, également dans la constellation de la Lyre. Vega est aussi occupée par des races humanoïdes, la plupart à la peau foncée ou noire. Beaucoup de races africaines sont originaires de Vega. Ces premières rencontres se sont déroulées dans le calme. Les populations ont commencé à interagir les unes avec les autres et elles ont uni leurs forces pour poursuivre l'exploration et la colonisation de l'espace. L'une des premières races non humanoïdes qu'ils ont rencontrées faisait partie des lignées reptiliennes qui habitaient dans la constellation Draco. C'est pour ça qu'on les appelle des draconiens. Mais il y a les alpha-draconiens et les draconiens tout court, qui sont un peu différents. Personne ne sait vraiment d'où les draconiens sont originaires. Asket, la petite amie de Zen, m'a dit qu'ils sont venus d'un autre univers et sont arrivés dans la constellation Draco en utilisant les trous de ver, qui sont comme de très larges autoroutes cosmiques. Ils étaient capables de voyager dans l'espace bien avant que l'humanité terrestre n'existe. Au moment des premières rencontres entre les Lyriens et les Draconiens, ces derniers exploraient les autres constellations et colonisaient toutes les planètes qui leur plaisaient, et ils possédaient un vaste empire organisé, généralement appelé l'Empire Draconien. Cet empire existe toujours aujourd'hui, et c'est l'un des principaux acteurs de la scène exopolitique galactique et terrestre. L'Empire Draconien est né sur Tuban, qui s'appelle aussi Alpha Draconis, et se compose principalement de divers groupes d'espèces reptiliennes. Les Alpha Draconiens, d'Alpha Draco, ressemblent à des dragons volants ou à des dinosaures, et il y a aussi dans ce système des populations humanoïdes qui s'y sont installées, certaines par la conquête forcée par les draconiens, d'autres de leur propre volonté. Une grande partie de leurs membres sont basés sur Alpha Draconis, Tuban, Epsilon Boutes, les Arcturiens, donc par exemple les Arcturiens Diesel Antiplex, la planète Mars, Polaris, Rigel, d'où sont les étortants, dont je parlerai dimanche prochain, Bellatrix, Capella, Alpha Aurigae, Ursa Minor et Ursa Major, Alcaïde, Sirius B, Hydra. Les premières rencontres entre les explorateurs lyriens et les explorateurs draconiens ne se sont pas bien passées. Des conflits ont éclaté sur des mondes qu'ils voulaient tous deux coloniser et qu'ils avaient revendiqués pour eux-mêmes.
C'est dans la nébuleuse M57 de l'Anneau, qui fait partie de la constellation de la Lyre, que les premiers combats ont éclaté. Les choses se sont ensuite envenimées lorsque les Draconiens se sont lancés dans une attaque de pleine force contre les planètes d'origine lyrienne et en ont détruit plusieurs, tuant des millions de Lyriens. Et entre parenthèses, comme par exemple les Pléiadiens se souviennent de leur vie passée, beaucoup viennent de la Lyre, se souviennent de ces attaques et de ce qu'ils ont subi. Zen, par exemple, s'en souvenait. À cette époque, cependant, la majorité des Lyriens avaient déjà émigré vers d'autres mondes comme les Pléiades et notre système solaire Sol 13, mais ils ont juré de riposter. Alors que les premières rencontres et les premiers conflits entre les deux espèces ont lieu dans la constellation de la Lyre, c'est Orion qui va devenir la scène principale de leur altercation. Les mondes d'Orion, à cette époque, étaient habités par divers groupes de Lyriens, de Véganais et de Reptiliens. Après que les Reptiliens draconiens aient attaqué les mondes d'origine lyrienne, les Lyriens, qui avaient déjà créé des colonies sur Orion, et c'est pour ça que le conflit va naître là-bas, ont riposté en attaquant les colonies reptiliennes d'Orion.